样子。Thank you.
Quel soulagement. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père... Voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Vous êtes de retour. Ah, formidable, vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père? C'était... de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve.
Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Thank you.
Bonjour, Chick. Tu voulais me parler ? Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici, dans la salle, nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire ? Commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs ? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick. We'll be right back.
Thank you.
Sauver les sombrales et acheter leurs créations.